head at the top of her lungs. Bonjour, je m'appelle Nicolas Guenrault, j'ai 41 ans. City, c'est un réseau national en fait, on est présent dans 80 villes et l'idée vraiment c'est de mutualiser l'usage de la voiture. Aujourd'hui les voitures passent 95% du temps immobiles, donc en stationnement. Donc l'idée de base de l'autopartage c'est de partager l'usage d'un véhicule. Au niveau individuel ça permet de faire des économies et au niveau collectif ça permet de libérer de l'espace en ville. C'était très facile, déjà une proximité liée à l'entrepreneuriat social. Ça a été évident tout de suite et en plus l'emplacement est assez central et nous on a besoin d'être au cœur de notre réseau par rapport à l'activité. Je me sens plutôt bien ici, on s'est vite acclimaté, je trouve que c'est très agréable et du coup ça nous donne envie aussi de se retrouver dans la nouvelle agence dans un espace de coworking. Pour l'instant on a surtout discuté avec les gens, il n'y a pas eu encore trop d'échanges concrets. Ce local-là, il va être rapidement trop petit, donc ça veut dire évoluer, mais évoluer, si on gagne en volume, on perçoit en proximité. L'idée, c'est peut-être d'essaimer avec les ruches qui vont entre 10 et 20 locataires. Après, créer du lien en faisant des rencontres inter-ruches. Alors, on est déjà dans une perspective d'essaimage. Nous, on s'est constitué par le bas. Le développement s'est fait en cherchant et en aidant les porteurs de projets locaux à construire leurs projets sur leur territoire. L'Afrique du Sud peut-être. Enfin, je pensais à l'arc-en-ciel. C'est un singe. Ils sont capables de prendre soin d'animaux d'autres espèces. Depuis qu'on y est, je dis qu'on s'y sent bien. L'agencement intérieur est super et enfin, c'est à découvrir. La ruche est un cocon dynamisateur. Ça m'intéresse aussi pour des questions de mobilité. C'est déjà supprimer les déplacements qui sont inutiles. La constitution dans chaque quartier, dans chaque village, sur tous les territoires, d'espaces comme ça, de pouvoir et dans le but d'accompagner ceux qui recherchent de l'emploi, ceux qui sont en train d'en créer. Merci.